Alors, moi, je dirais que c'est possible, avec tout le monde, avec des enfants aussi, dès 8 ans, je pense que c'est bien. Mais en tout cas, oui, vous êtes bienvenus, donc si vous êtes intéressés. Saya sendiri sangat kagum karena bule-bule ini tidak hanya mampu memainkan alat musik gamelan, tapi juga mereka. Si vous êtes intéressé par ce groupe, vous pouvez contacter Alex directement. Hai semuanya, terima kasih tetap setia di channel saya di Dilejawane. Setelah mewawancarai 3 narasumber dari grup gamelan di Jenewa, mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya-tanya seperti apa sih nama grup gamelan di Jenewa ini, bagaimana mereka memainkan gamelan, dan jika ada yang tertarik, apakah ada kemungkinan untuk bergabung dengan grup ini dan bagaimana caranya? Salut tout le monde, c'est Didi Le Javanais, merci de votre fidélité sur ma chaîne YouTube. Après avoir eu un entretien avec 3 membres du groupe du Gamelan, peut-être vous demandez-vous quel est le nom du groupe du Gamelan à Genève, comment ils jouent des instruments, et si vous êtes intéressé par ce groupe, est-il possible de rejoindre ce groupe et comment? On va voir ensemble après l'intro. Baik, mari kita simak bersama setelah yang satu ini. You guys see my shadow, right? Okay, guys, sekarang saya di basement. Saya akan melihat di mana instrumen gamelan disimpan dan akan dimainkan. Yuk, kita lihat. Alex sudah mulai main. Il a commencé ça. Bon. C'est génial, hein? Oui. Tiens, vas-y, commence. À la courbe et tout. En fait, je fais un peu. Ouais, je fais juste une illustration. Mais tu fais un peu, ça, tu fais petit, tu vas pas faire le. Non, juste pour montrer. Génial, d'accord. Thank you.
J'ai entendu parler que votre groupe a besoin de jours, d'autres jours. Alors comment vous vous trouvez le jour? Par exemple, s'il y a un événement, oui, et vous avez besoin d'autres jours et il faut que vous cherchez, non? Voilà, c'est juste. Donc on a de la place. Donc les personnes intéressées, elles sont bienvenues évidemment. Et pour apprendre cette musique, c'est pas si dur que ça. Elle est compliquée. Mais on peut commencer avec des instruments qui sont jouables après deux entraînements, deux leçons, si j'ose dire. Donc c'est très accessible, hein, c'est une musique accessible, plus simple que la guitare ou le piano qui demande beaucoup de technique et des années d'entraînement. Donc c'est aussi pour ça que moi j'ai appris la gamelan plutôt qu'autre chose. D'accord. C'est pas seulement parce que c'est une passion pour l'oreille, mais aussi dans la pratique ou pour des aspects pratiques, n'est-ce pas? Je me suis mis à apprendre cette musique plutôt que la guitare ou le violon. Alors, moi je dirais que c'est possible avec tout le monde, avec des enfants aussi, dès 8 ans je pense que c'est bien. Hein? Mais les gens qui sont musiciens déjà, même si c'est du piano ou percussionniste, ouais, on entend quand même la différence. Ils vont apprendre plus vite, ils vont tout de suite être intégrés dans des, peut-être, la rythmique plus complexe qu'on pratique. Mais en tout cas, oui, vous êtes bienvenus. Donc si vous êtes intéressés, on a besoin de bras pour pouvoir faire des jolis spectacles. Quoi. Voilà. Nah, keren kan permainan gamelan mereka? Saya sendiri sangat kagum karena bule-bule ini tidak hanya mampu memainkan alat musik gamelan, tapi juga mereka melestarikan gamelan Indonesia ini di Swiss. Kemudian, nama grup gamelan ini adalah Danusari yang diambil dari bahasa Bali, Danu, artinya dalam bahasa Indonesia adalah danau, sedangkan Sari adalah inti. Ya, jadi kalian dapat menyimpulkan sendiri makna dari gamelan ini. Ya. Selanjutnya, jika kalian tertarik untuk bergabung dengan grup gamelan di Jenewa ini, kalian bisa langsung kontak ke Alex, ini emailnya, dan juga Facebook page-nya bisa ditemukan di sini. Ya. Si vous êtes intéressé par ce groupe, vous pouvez contacter Alex directement par ici. Voilà. Et aussi, vous pouvez trouver leur Facebook page ici. Donc, teman-teman, semoga video ini menghibur dan menginspirasi pecinta musik tradisional Indonesia untuk terus semangat melatih, mengasah kemampuan dan melestarikan khususnya gamelan. Ya, jika kalian belum klik subscribe, silakan klik subscribe dan tekan tombol loncengnya juga supaya kalian dapat informasi atau notifikasi saat saya upload video terbaru. Klik like, komen, feedback, share juga diperbolehkan. Saya Didi Lujawane, terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi. Ciao.